Avec ses 600 000 habitants, Stuttgart fait face aux mêmes problèmes que les autres villes du monde. Depuis 100 ans, Stuttgart aussi dépasse de loin ses frontières traditionnelles. Ce faisant, elle n'a pas cessé d'exploiter son environnement naturel et de mettre en danger la qualité de vie de ses citoyens. En 1830 encore, Stuttgart n'était qu'une petite ville idyllique entourée de prés et de vignobles. Aujourd'hui, c'est un labyrinthe immense de bâtiments et de rues pleines de circulation. Dans certaines conditions atmosphériques, il y a sur la ville une couche de polluants particulières et gazeux créant une sorte d'île de chaleur mauvaise pour la santé. Stuttgart, la plus grande ville dans le sud-ouest de l'Allemagne et capitale de la région de Baden-Württemberg, a toujours posé de graves problèmes climatiques, car la ville se situe dans un bassin formé par les collines qui l'entourent. Voici la température mesurée en dehors de la ville, à mi-côte du bassin et dans la ville au centre de Stuttgart. Elle peut varier jusqu'à 7 ou 8 degrés Celsius. En général, il fait 1 ou 2 degrés de plus dans les villes mêmes qu'à l'extérieur. En ville, les bâtiments, le béton et la chaussée absorbent la chaleur du soleil. En été, on peut même voir cette chaleur au-dessus des toits. En hiver aussi, il fait plus chaud dans les villes quand la chaleur s'échappe des cheminées ou des maisons insuffisamment isolées. La circulation et l'industrie produisent aussi beaucoup de chaleur. Le mouvement de l'air est important. Le vent est freiné et sa vitesse réduite de 75% à cause de la résistance des bâtiments. Il risque alors de ne pas y avoir d'aération suffisante à l'intérieur de la ville. Les mouvements verticaux de l'air sont importants également. Le phénomène d'inversion de la température en est un exemple. Quand cela arrive, l'air froid, lourd, près du sol, est forcé de monter par l'air plus chaud de la ville. Cet air-ci monte encore plus haut à cause de la radiation solaire, produisant ainsi une barrière impénétrable. Cela ne permet aucun mélange atmosphérique et entraîne une concentration de gaz nocifs. Le résultat, inflammation de la muqueuse, maladie respiratoire et même la bronchite chronique. Voilà les facteurs qui influencent le climat urbain en général, facteurs qu'on ne peut guère changer. Mais on peut faire des améliorations de détail. Stuttgart en est un exemple. Ici, les climatologues participent depuis longtemps à la planification de la ville. Cette collaboration entre urbanistes et climatologues a contribué à résoudre mieux à Stuttgart qu'ailleurs le problème de la pollution de l'air. Tout d'abord, il a fallu se demander où l'air nocif se produisait et où il se concentrait au lieu de se disperser. Cette carte démontre que l'air frais entre dans le bassin de Stuttgart par les collines. On peut voir aussi qu'il y a déjà une agglomération considérable sur les côtes. Tous ces bâtiments absorbent l'air et l'empêchent de circuler jusqu'au fond du bassin. Les erreurs du passé nous ont appris une leçon importante. On ne permet plus la construction sur les côtes de Stuttgart. Le bien-être public l'emporte sur les intérêts privés. Une particularité du bassin de Stuttgart, les indentations en forme de canyon, qui pourraient être une nouvelle source d'air frais. Pendant la nuit, l'air frais parvient à la ville
par chacun de ces canaux. Celle-ci, par exemple, fournit de 8 à 40 mètres cubes d'air frais par heure. Une quantité énorme. La construction a été interdite dans ces canaux naturels d'air frais. Le mot « canal » est d'ailleurs particulièrement apte à décrire ces indentations qui conduisent l'air frais de la même façon que l'eau d'un fleuve. En termes pratiques, cela veut dire qu'on a tort de construire de grands bâtiments dans ces canaux, car ceux-ci arrêtent l'écoulement de l'air. Stuttgart a ses propres exemples négatifs de cela. Un bâtiment énorme a été construit au beau milieu d'un tel canal. Au pied de la colline Kriegsberg, on a empêché l'air frais de couler en construisant un hôpital. Ensuite, l'université a fait construire deux bâtiments encore plus haut derrière l'hôpital. L'écoulement de l'air frais pour le parc est le moins entravé. Cette boîte haute et large constitue un sévère obstacle. Mais il ne suffit pas d'éliminer les obstacles à l'air frais. Il faudrait aussi élargir et allonger les canaux là où c'est possible. Cette rue est un des trois longs canaux d'air frais qui traversent le bassin de Stuttgart. Sur la recommandation des climatologues, on a changé la largeur prévue de 28 à 48 mètres pour créer un chemin plus large pour l'air. Mais ceci ne sert à rien si la circulation augmente en même temps. Ce problème pourra être résolu au moyen d'arbres et de larges accotements. Du point de vue climatologique, il est urgent que les urbanistes prévoient plus de végétation. Les arbres et les parcs sont essentiels pour améliorer tout mauvais climat urbain, car ils produisent de l'air frais, qui à son tour engendre de mini-courants d'air frais. Les arbres et les parcs servent aussi de filtre de poussière. Les climatologues de Stuttgart l'ont démontré. 50 appareils ont été installés à divers endroits de la ville pour mesurer la poussière selon la méthode Bergerhoff. On a constaté qu'il y a une concentration nettement plus petite de pollution particulière près des arbres et des parcs. Il y a un autre problème qu'il ne faut pas négliger, celui de la chaleur des places de stationnement. Des photographies infrarouges de Stuttgart ont de nombreuses taches rouges, produites par les surfaces chaudes de ces parkings publics et privés. Des stationnements, d'abord couverts de béton ou d'asphalte, absorbaient tellement de chaleur du soleil qu'ils ne pouvaient même pas se refroidir la nuit. Des milliers de places, le problème devenait inquiétant. De plus en plus, les parkings sont couverts de dalles de pierre perforées, de sorte que l'herbe puisse pousser dans les trous. De plus, le sol, en dessous, peut absorber et retenir la pluie, qui s'évaporera par la suite. Il y a maintenant beaucoup de ces surfaces, idéales du point de vue climatologique. Un autre domaine où on a fait des progrès à Stuttgart est le système du toit mouillé. Après une averse, toute la surface d'un toit plat reste mouillée. L'évaporation qui s'ensuit entraîne une chute de la température et de l'air frais pour la ville. Des jardins sur les toits ont le même effet et en même temps embellissent les villes de béton et de vitres. Une autre mesure consiste en des façades dites détachées, une sorte de seconde peau à l'extérieur des murs des bâtiments. Entre les deux, il y a un courant d'air qui rend ces bâtiments plus frais en été et plus chauds en hiver. Il dégage ainsi moins de chaleur.
il est important de noter que ces mesures sont obligatoires, prévues d'avance dans les plans de construction. Wir mussten eine Möglichkeit finden, die Außenflächen möglichst rationell zu reinigen. Sicherlich, also das sind im Jahr ungefähr 300. Ces mesures mineures sont toutes importantes. Les problèmes plus grands sont traités de la même manière. La région Kaltenheschlag fait voir comment on peut créer de nouvelles sources d'air frais en réaménageant tout un paysage. Les flèches bleues indiquent la quantité d'air frais qui entre maintenant dans cette vallée, de l'air qui coulait avant dans le sens inverse. Pour changer la direction de l'air, on a fait boiser la vallée Glemstal, ce qui a permis à l'air de circuler près du sol. Tout l'air frais provenant de la vallée du Barentssee est maintenant forcé de s'écouler vers la région de Heschlach, où il est nécessaire pour mieux éliminer l'air pollué. Mais ce qu'il y a de plus pressant à Stuttgart comme ailleurs, c'est la prévention de la pollution de l'air. Il faudrait établir une politique de l'énergie. Les industries qui se servent encore de charbon ou d'huile sont encouragées à se tourner vers des sources d'énergie propres. L'électricité, le gaz, le chauffage à distance. À Stuttgart, les agences et les institutions publiques ont donné l'exemple. La Polytechnique, le Théâtre National, la Poste Centrale, des hôpitaux et divers autres bâtiments publics se sont déjà servis de ressources énergétiques plus propres. Puisqu'il faut autant de charbon et d'huile pour chauffer une maison qu'une usine, on a installé le chauffage à distance dans des quartiers résidentiels entiers. Pour fournir cette énergie propre à un prix modique, la ville de Stuttgart a fait installer sous terre un réservoir de gaz ayant une capacité de 20 millions de mètres cubes, soit 60 fois celle des réservoirs ordinaires. Voici une preuve visible de sa conscience précoce de son environnement. Les cheminées aux deux centrales électriques municipales. Elles ont 160 et 180 mètres de hauteur, bien plus que ce que la loi exigeait lorsqu'elles ont été construites. Depuis un certain temps, même les compagnies privées ont fait construire de telles cheminées. Il y a maintenant des lois pour mettre en vigueur des standards de l'hygiène de l'air. Le décret sur la construction de l'État de Baden-Württemberg, l'acte fédéral contre la pollution et d'autres lois visent à protéger l'environnement. Grâce à un arrêté de la part du maire de Stuttgart en 1951, les climatologues doivent participer à tous les plans ayant éventuellement un effet sur le climat de la ville. C'est de rigueur et cela se fait au moment de la planification. Les climatologues jouent aussi un rôle important dans la construction. C'est un exemple que les autres villes pourront suivre. Une exception à la règle dans la République fédérale de l'Allemagne. Le résultat de ce travail théorique et pratique est le suivant. Malgré la grande concentration d'activités économiques, malgré toute la construction publique et privée, malgré toute la circulation et surtout malgré les erreurs du passé, Stuttgart est une des villes les plus propres dans la République fédérale de l'Allemagne. Ceci n'a été possible à Stuttgart qu'à cause d'une rare coopération entre savants et fonctionnaires.